Dans quelques instants, coup d'envoi d'un match alléchant dans ce championnat européen. Oui, on est encore dans la phase de groupe, mais il y a beaucoup d'enjeux. Voici donc la composition d'équipe. Alors pour ce qui est de la tactique et de l'animation, l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'équipe alignée par l'entraîneur. Système assez classique pour cette équipe qui va jouer en 4-4-2. Très intéressant dans ce match avec Lewandowski que l'on va retrouver face à Mesut Özil. Certes, Lewandowski est un joueur en confiance, lui qui avait signé un doublé lors de sa rencontre précédente. Quant à Mesut Özil, c'est un joueur qui a marqué 3 fois lors de son dernier match. Lazievkovski. Mario Götze. Essaye de s'appliquer. Thomas Müller. Oh non, l'action qui n'est pas terminée, attention! Draxler. Ça a bloqué finalement cette perte de balle. Bastian Schweinsteiger. Mario Götze. Excellent milieu de terrain offensif allemand. Oui, il mesure seulement 1m76, mais la qualité de sa conduite de balle est assez impressionnante. Thomas Müller, le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Les Allemands qui obtiennent un corner. Repoussé du poing par le gardien. Et la secteur, tir de contrée. Disney. Rosicky. Elle s'avance vers la surface. Regardez, on va pouvoir se dégager. Mario Götze. Mario Götze qui le dit lui-même, hein, il aime bien jouer au poste de meneur de jeu. L'Allemagne qui bénéficie d'un coup franc. Samy Khedira. Attention! La défense concède donc le corner. Jérôme Boateng. Allez, bonne prise de balle du gardien de but.
Blazievkovski. Piček. Lucas Piček. Krikoviak. Allez, tout le monde participe. Au centre pour... Ouais, c'est repoussé. Une touche intéressante. Krikoviak. Ozil. Thomas Müller. Thomas Müller, attaquant. Il décide de prendre sa chance. Ballon bien capté par le gardien. La bonne tête. Bastian Schweinsteiger. Et ça siffle sur cette passe en retrait. Milik. Draxler. Mesut Özil. Mario Götze. Très collectif, c'est magnifique. Allez, si Ozil lève la tête. Oui, le bon tacle. Votre Zelinski. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Un beau duel en perspective. Mesut Ozil. Il y a la mi-temps qui intervient sur ce score de 0-0. Vous diriez de la prestation de Lewandowski dans ses 45 premières minutes? Hervé, je trouve qu'il a été assez transparent. Pas de but, très peu d'occasions. Mais j'attends autre chose en seconde période de sa part. C'est parti pour la deuxième période avec les Allemands. Övdeis. Ozil. D'ailleurs, je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Thomas Müller, il s'est récupéré. Alors, avertissement ou pas? Ozil. Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Thomas Müller qui n'est pas seul. Peut-être le but. Il marque. Le gardien qui doit s'incliner pour la première fois. Il a été irréprochable jusqu'à présent, mais à force d'être sollicité, il fallait bien que ça arrive à un moment ou un autre. Et c'est vrai qu'Hervé, le gardien est impuissant sur cette frappe juste sous la barre. Il aura fallu attendre la seconde période pour voir le premier but. Krikoviak, à son côté, c'est bien joué. Ce sera allemande cette touche. Sami Khedira. Bastian Schweinsteiger, contre Zelinski. Il va falloir faire un petit peu de coaching en faisant entrer un remplaçant. On va voir qui va quitter le terrain. Et la voilà, la frappe. Corner. Allons dégager de la tête.
Ah, le ballon qui sort une fois de plus en corner. Schweinsteiger. Oh oui, bien joué. La frappe. Et le dernier mot pour le gardien. Et ça file en corner. Lewandowski, Krikoviak, Blazievkowski, oh, le frappe de Mulle, mais qui ne sert à rien, qui passe très largement au-dessus. Intéressant hein, ce chiffre sur la possession. Et ça reflète bien hein, l'équilibre de ce match quant à la circulation du ballon. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Et il a du monde autour de lui, il y a quelque chose de bon à faire. Bastian Schweinsteiger. Mesut Ozil. Un magnifique plongeon hein, sur ce ballon qui était difficile à négocier. On voit les statistiques hein, sur le corner. Un long ballon, loin devant. Ouais, les Allemands peuvent récupérer le ballon sur cette remise en jeu. Mesut Ozil. Le ballon qui va arriver dans la surface. Mario Götze. La tête, et oui, le but. Somme toute logique, Franck. Hein. Sur le papier, cette équipe est déjà plus forte, mais elle a pris le match par le bon coup et ça finit par payer. Il y a beaucoup de facilité et de rage hein, en même temps sur ce coup de tête. Il a mis tout son cœur là pour la frapper. Et deux buts à rien, il domine les débats. Krikoviak. Milik. Mario Götze. Attention, ne pas commettre de faute. 3 minutes, ce sera le temps additionnel. 3 minutes minimum. Lewandowski. Arrêt du gardien qui ne relâche pas son ballon. Joli travail de protection. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Alors c'est souvent le cas entre ces deux équipes. On a véritablement assisté à un gros choc aujourd'hui. Ah oui, un gros match, Hervé, entre ces deux équipes hein, qui se connaissent bien. Il y a toujours une grosse rivalité entre ces deux formations. Et je peux vous dire qu'entre supporters, ceux qui ont le sourire, à mon avis, vont chambrer le camp adverse. Que peut-on dire de la prestation de Mario Götze? Eh bien, il a fait un match intéressant, Hervé. Sur le plan personnel, il a marqué. Mais je crois qu'il doit surtout être heureux de la victoire de l'équipe. Quant à Lewandowski, je l'ai trouvé bien timide dans ce match. Hein. Pas de but, évidemment. Très peu d'occasions nettes, match assez décevant.